des candidats interpellés par des femmes. Une initiative lancée par celle qui avait porté plainte dans l'affaire Baupin. C'est l'info du brief. Vous aurez mon vote si vous vous engagez à faire voter l'inéligibilité pour les élus coupables de violences sur des femmes. Voilà le type de message que les candidats vont recevoir sur leur compte Twitter ou Facebook. Un site internet a été lancé hier pour inciter les femmes à piocher un message et à l'envoyer aux candidats de leur choix. Après l'affaire Baupin, classée sans suite, Isabelle Attard, l'une des plaignantes, a voulu remettre la cause des femmes au cœur de la campagne présidentielle. J'espère que nous serons des millions à envoyer nos messages, nos interpellations aux candidats pour les obliger effectivement à réagir, à se positionner, à dire voilà, si je suis effectivement président de la République, voilà ce que je ferai pour que l'égalité salariale ne soit plus une utopie mais réelle dans quelques années. Isabelle Attard avec Bintili Diallo. Le site s'appelle vousauremonvotesi.org.